chaque situation est différente. Non, c'est pour ça que je crois que les enfants choisissent, pas tout le temps, en tout cas, c'est l'objectif. Bonjour chérie, ça va? Ça a été? I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Pendant des années, j'ai joué de manière excessive. J'étais dans un mal-être profond. Et je ressentais un grand vide que je pensais combler grâce au jeu et à mes amis virtuels. Heureusement, mes proches m'ont soutenu et accompagné, et j'ai pris conscience de cette situation. Je refais des sorties avec mes amis, et je me suis reconnectée à la vraie vie. My sweetest friend, everyone I know goes away in the end.
n'importe qui, à un moment ou un autre de sa vie, peut être confronté à une situation traumatique, comme un décès, des menaces de mort, une blessure grave ou encore des violences sexuelles. Cela peut vous toucher directement ou concerner vos proches. Si cela vous arrive, il est possible que les symptômes suivants se manifestent. Flashback, cauchemars et souvenirs persistants, difficultés de concentration, amnésie ou hypervigilance, altération de l'humeur, incapacité à éprouver des émotions positives ou encore irritabilité. Vous pouvez également souffrir de perturbations du sommeil. Il s'agit d'une réponse normale au choc que vous avez subi. En revanche, si ces symptômes persistent au-delà d'un mois et génèrent chez vous un état de souffrance significative, si votre fonctionnement social ou professionnel est entravé, ou si vous développez des comportements inhabituels, comme une consommation de substances, d'alcool ou encore un état d'anxiété permanent, vous souffrez peut-être d'un syndrome de stress post-traumatique. Ne restez pas seul dans cette situation. Vous pouvez vous faire aider. Parlez-en. Hello? Savez-vous ce que sont les troubles du comportement alimentaire ou autrement dit TCA ? Parlons-en. La boulimie est un trouble où la personne perd le contrôle sur son comportement face à la nourriture lors d'une crise. La personne va manger sans pouvoir s'arrêter, est-ce parfois jusqu'à 10 000 calories par crise. Elle a recours à des comportements compensatoires afin d'éviter de prendre du poids, comme par exemple se faire vomir. Il y a également les autres troubles alimentaires atypiques comme le trouble PICA qui entraîne la personne ou l'enfant à tout manger même ce qui n'est pas comestible. Mais encore, le méricisme qui consiste à régurgiter les aliments mangés pour les remastiquer par la suite. Le trouble hyperphagique boulimique consiste, quant à lui, à manger en quantité excessive sans avoir recours à des comportements compensatoires pouvant amener la personne à un surpoids. Et finalement, penchons-nous sur l'anorexie mentale, dont nous avons tous, une fois ou l'autre, entendu parler. Il y a deux types d'anorexie mentale. Le type restrictif, qui consiste à se priver d'apports nutritifs par peur de prendre du poids. La personne peut également avoir des comportements compensatoires empêchant la prise de poids, comme faire du sport à outrance, prendre des laxatifs ou se faire vomir. La personne a une perception faussée de son image corporelle. Son estime de soi est étroitement liée à son apparence physique, qui se trouvait déformée au vu du déni de la gravité de sa maigreur. Le second type d'anorexie mentale est celui avec des accès de boulimie. En effet, l'anorexie peut être suivie par des crises de boulimie dues à la frustration et à la privation de nourriture. Et voilà, ça y est, je vais de nouveau devoir aller à table avec eux, ils vont de nouveau me scruter, ils vont regarder ce que j'ai dans mon assiette. Franchement, ça me saoule, ils me font tous chier, sérieux. Et en plus, comme d'habitude, elle m'a servi une portion qui est beaucoup trop grosse.
perception faussée du corps. Vérification du nombre de calories. Surinvestissement physique, hyperactivité. Isolement social. Comportement autodommageable. Et parlez-en à votre entourage. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'association Boulimie Anorexie, www.boulimie-anorexie.ch. N'oubliez pas que l'émergence des troubles des conduites alimentaires découle de plusieurs causes. Les changements du corps comme à la puberté, l'estime de soi et le regard des autres, la société et les médias, l'entourage et les proches. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un bon équilibre visant le bien-être psychique, physique et social. C'est ça la santé mentale. Thank you.
Thank you.
nice and easy. Rock me nice and slow. In the early morning, how you turn me on? So let the good times roll. Set them try fi separate. Me no wanna crack fi smoke. Give me the lighter in my brain. I let it light up in. Salut Juju. Record battu, je t'attendais plus. Entrez. Ah, Juliette, bonjour. Bonjour. Prenez place. Ah, Juliette. Juliette, Juliette. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Non. Écoutez, suite à tous ces nombreux retards
qui perdure, je suis contraint de vous licencier parce que vous n'êtes pas une employée fiable, c'est plus possible pour la boîte. Comme 100 000 personnes en Suisse, Juliette souffre de TOC. Elle en est consciente et cela n'est pas facile pour elle et ses proches. Une prise en charge des troubles obsessionnels compulsifs peut aider. N'ayez pas peur de vous comprendre. Oh,